Alors, ce matin, il y a la cérémonie d'ouverture du séminaire organisé par l'association des agro-industriels de la vallée, Valagri. Comme vous le savez, la région nord aujourd'hui est un pôle extrêmement important de développement agro-industriel, où l'État a consenti d'énormes efforts en termes d'aménagement des zones agricoles. Et il y a aussi tout le dispositif de facilitation et d'encadrement destiné aux entreprises pour leur permettre d'être plus compétitives. Dans ce cadre, il y a en douane ce que nous appelons l'entreprise franche d'exportation, qui est un statut qui favorise en fait l'entreprise dont la vocation est de créer des richesses, de créer des biens, mais destinés à l'exportation. Souvent, malheureusement, il y a de petits problèmes, parfois de petits soucis avec les entreprises, parce que ces règles ne sont pas bien comprises. Alors, le but de ce séminaire, justement, c'est d'aider tous les industriels, en tout cas qui travaillent dans ce régime, à mieux comprendre ce régime d'entreprise franche d'exportation. Ou ceux qui ne sont pas déjà dans ce régime, à peut-être, si ce régime correspond à leur vocation, à venir intégrer ce régime qui est un régime de facilitation, en tout cas pour leur permettre de pouvoir travailler tranquillement. Voilà en fait le but de ce séminaire. Mais au-delà du séminaire de ce matin, je me suis déplacé aussi avec un grand nombre de directeurs du comité de direction de la Direction générale des douanes pour une tournée dans la région nord. Alors la région nord, c'est polarise les trois régions de Louga, de Saint-Louis et de Matam. Et nous en profitons justement, nous venons sur le terrain pour rencontrer nos agents, pour rencontrer les unités, toucher du doigt leurs problèmes, voir comment est-ce qu'on peut améliorer la mobilisation des recettes, comment est-ce qu'on peut améliorer les conditions d'exécution du travail, les conditions de vie des agents. Donc c'est de tout cela que nous venons nous imprégner. En plus de cela, naturellement, nous en profitons pour rencontrer les autorités administratives quand même, qui nous apportent un grand soutien dans le travail, qui assistent, en tout cas qui aident nos unités. Je profiterai de cet après-midi pour aller procéder à l'inauguration de l'unité de scanner que nous avons installée à Rosso, en collaboration avec Cotecna, qui est aujourd'hui et qui nous assiste dans le cadre du programme de vérification des importations. C'est un bel exemple de partenariat.